Bonjour à tous et bienvenue sur Bell à 14h20. Aujourd'hui, petite vidéo sur Elden Ring. On est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer ce magnifique trophée. Je parle bien sûr du Seigneur, de la Flamme Exaltée. Oui, c'est bien sûr une des 6 fins du jeu, une des 3 fins qui vous débloquent les trophées. La vidéo d'ailleurs, pour pouvoir débloquer les 3 fins en un coup et débloquer du coup 3 trophées en or et direction platine, tu connais un peu le topo, arrive bientôt sur la chaîne. Pourquoi j'ai une voix un peu délurée aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai pété un câble à faire cette vidéo. Et oui, le plus gros boss d'Elden Ring, à mes yeux, attention, se trouve ici, à cet emplacement, pour pouvoir débloquer la 3e fin. C'est très simple, je tiens à préciser que vous allez avoir une phase de plateforme qui m'a fait péter un câble, tout simplement parce que je trouve que ce Elden Ring est un super jeu, ça c'est sûr, mais quand je regarde les notes sur internet et que je vois 20, 19, 19,5, 21 sur 20, ça me fait marrer, parce que la technique de ce jeu est dégueulasse, et ça vous allez vous en rendre compte à la fin de la vidéo. Attention, avant je vais vous emmener dans des petits coins, débloquer des petits points de grâce, des portes, vaincre des boss, récupérer des items de fou furieux, et puis phase de plateforme de malade mental. Alors, tous les petits trucs à savoir pour cette vidéo. Déjà de 1, ce que je recommande, ok, c'est que quand vous avez fini le jeu, donc logiquement vous avez débloqué une zone qui s'appelle Marika Brisée, oui, là vous pouvez venir ici et débloquer la 3e fin, ok. Donc en fait, il faut tuer le boss de l'histoire principale. Quand vous l'avez tué, vous allez vous retrouver à un endroit où vous allez activer une des fins du jeu. Faut surtout pas le faire, venir ici donc dans les chemins souterrains et bien suivre mon vagabond pour pouvoir débloquer cette 3e fin. Pour pouvoir débloquer les 3 fins du jeu, il y aura une vidéo qui va arriver sur la chaîne, mais techniquement parlant, il faut créer une sauvegarde, par exemple Cloud, si vous êtes sur PlayStation 5 ou une autre plateforme, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et alors, quand vous allez lancer une fin, directement quand vous chopez le trophée, il faut recharger la sauvegarde en fait que au préalable vous avez téléchargé. Donc c'est un peu compliqué comme ça, c'est pour ça qu'il y aura une vidéo dédiée à ce sujet, mais au final, pour pouvoir débloquer les 3 fins en un coup, il vous faut 2 saves. Vous lancez donc, on va dire, la première save tranquillement, ça se passe bien, vous récupérez votre petit trophée. Et puis à chaque fois, vous retournez sur cette save là que vous avez fait, en fait, juste devant l'item qui va vous permettre de faire les 3 fins. Mais le tout sera résumé bien sûr, pas en description, mais dans une prochaine vidéo qui sera sans doute en description de celle-ci par la suite. Et deuxième chose très importante, si par exemple vous avez un peu suivi mes vidéos, le chemin souterrain, je l'avais déjà débloqué. Du coup, si vous le voulez et que vous n'avez pas, par exemple, terminé le jeu, battu le boss principal, vous pouvez déjà débloquer pas mal de points de grâce ici, affronter un boss et récupérer un maximum d'items, parce que vraiment, la zone est très très bonne. Donc c'est une vidéo qui est faite un peu pour tout le monde. Je débloque les points de grâce qui se trouvent sous l'Endel, et en même temps, je vais aller débloquer la 3e fin. Moi, ce que j'ai fait, c'est expérience personnelle, attention, et ce sera résumé dans une vidéo qui arrive prochainement. J'ai débloqué la fin de Rani, puis j'ai fait la petite technique de recharger ma save, puis j'ai débloqué la fin normale, et puis la 3e fin, j'ai été débloqué celle-ci, et vous connaissez un peu le topo, j'ai à nouveau rechargé ma save, parce qu'en fait il y a 6 fins dans le jeu, je vais peut-être les présenter sur la chaîne, je promets rien, les 3 pour les trophées, ça c'est sûr, c'est garanti, comme ça il y a direction platine, parce qu'honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est les 3 fins. Récupérer les 9 armes légendaires, les 8 talismans légendaires et les 7 ou 8 aussi invocations légendaires. Quand vous avez ça, techniquement parlant, vous avez quasiment le platine. Et ici, je tiens à préciser quelque chose, il est indispensable de déverrouiller cette porte. Pourquoi? Car en fait, on va retourner au point de grâce du début de la vidéo, chemin souterrain, c'était la localisation donc du début du numéro 2. Là, on arrive aux fins du numéro 2 et tout ce qu'on a fait pendant ce numéro, c'est quoi? Déverrouiller cette porte. C'est indispensable les gars, parce que là on passe à l'étape 3, on va à nouveau aller débloquer un autre point de grâce. Du coup oui, on part du chemin souterrain, mais on va plus devoir se taper tout ce run, tout ce parcours. On passe directement par la porte qu'on vient de déverrouiller, on tourne sur la droite. Si vous le faites pas et que vous êtes sûr de vous, ok ça peut passer, mais si vous mourrez, vous vous retapez tout le parcours. C'est pour ça que je trouve ça indispensable de déverrouiller cette porte. Ensuite, vous allez au point de grâce du début de la vidéo, au final. Ok, ça paraît un peu con, mais franchement, c'est fortement conseillé. Parce que si vous mourrez maintenant, malheureusement, la porte ne sera pas déverrouillée et vous vous tapez tout le run à nouveau. Donc moi, je vous conseille de perdre 20 secondes,
parce que la vidéo elle est longue et que vous allez le voir, c'est pas le plus dur dans cette vidéo. Déjà de 1, c'est vrai que c'est pas si facile de se repérer, c'est pour ça il y aura aucune image en x2, honnêtement, je vais à pas d'homme, c'est assez compliqué comme ça, même si oui, là quand je suis dans un tube, techniquement parlant, vous pouvez pas vous perdre, mais on peut quand même tomber dans des petits trous, hein. Attention, ça m'est arrivé 2 fois honnêtement, et déjà à ce moment-là, je pétais un câble, mais c'était rien comparé à la fin de la vidéo. Maintenant, attention, j'en fais tout un plat, mais ça se trouve, vous allez passer du premier coup, hein. C'est fort possible. C'est juste que moi, les sauts et Elden Ring, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Donc ici, j'ouvre la porte, pourquoi ? Aucune explication, d'accord ? Je l'ai vu dans un gameplay, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur des néerlandophones, sur des allemands, sur des anglophones. Il y en avait un qui ouvrait la porte, je trouvais ça intelligent, parce que on sait jamais dans un avenir proche ou lointain, ça peut nous être utile. Ici, il y a un item aussi important, je pense en plus qu'il est lié à une quête. Et vu le run de malade, bah, je conseille de récupérer les items que vous allez croiser dans cette zone. Pour donc le numéro 3, vous avez fait le plus dur, une fois que vous êtes dans cet ascenseur, vous allez pouvoir débloquer un point de grâce, un voyage rapide, et du coup vous avez directement accès à cette zone. Ça c'est une très bonne chose, car vous avez un boss en face de vous. Sachez que c'est pas le plus dur du jeu, honnêtement, moi j'ai joué un petit bulle de saignement sur lui, ça a été tout seul. Maintenant je sais bien qu'en fonction du personnage, de l'équipement, des armes que vous utilisez, ça peut de temps en temps poser problème ce style de boss. Du coup, vous venez de débloquer ce point de grâce, n'hésitez pas à aller farmer les runes, changer d'équipement, aller chercher de nouvelles armes pour pouvoir l'affronter, mais je pense qu'en règle générale, ça devrait pas poser trop de problèmes. Sachez quand même une petite chose très importante, c'est que c'est à partir de ce moment donné-ci que la vidéo se complique. Déjà de 1, vous avez un boss à tuer qui fait quand même partie des ennemis haut level de ce jeu. En plus, il vous débloque un petit trophée et quelques items, c'est toujours ça de gagner. Maintenant, pour la plupart des gens, ça devrait pas poser de problème. C'est la deuxième phase qui va être plus problématique, ok? Alors peut-être que je m'enflamme pour rien et que chez vous, ça va aller tout seul, mais je préfère quand même prévenir que guérir. Vous avez donc débloqué un petit point de grâce juste ici. Il en manque un dernier pour finaliser cette quête, ok? Mais pour pouvoir le débloquer, ça va pas être si simple. Donc on se retrouve ici, 5e emplacement, bam, point de grâce. Et là, mon gars, on est parti pour la fameuse plateforme phase, comme on va l'appeler, qui m'a fait péter une de rite, vu que je suis resté bloqué ici 1 heure. C'est entre guillemets, crochet parenthèse, le boss qui m'a posé le plus de problèmes, alors que c'est une phase de plateforme, quoi. Très simple, vous récupérez le petit coffre, vous tapez dans le mur, ça se baisse, hop, petit chemin secret. Et là, on est parti, en fait, on doit descendre au fond de ce trou, via des petites plateformes, des petites poutres en bois, des petites pierres, tu vois. Le problème, c'est que votre personnage, voyez, techniquement parlant, c'est pas parfait, quoi. Ça va de temps en temps vous aider, de temps en temps, ça va jouer en votre défaveur. Vous allez glisser, tomber et mourir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis chauffé et j'ai appelé Londus Boop. Donc, cette phase de plateforme, je vous conseille de la faire en slip, tout simplement. En description de cette vidéo, je vais mettre un lien qui va vous permettre d'aller sur une vidéo où j'explique bien la petite technique de je saute, je mets mon doigt appuyé sur rond que je laisse enfoncer, ok, et puis je suis tout le temps en mode sprint. Regardez bien parce que je vais faire cette technique ici avec mon pote en slip. Parce que va falloir descendre tout en bas et c'est chaud. Donc moi, regardez bien, si vous appuyez sur rond, je le dis tout le temps, vous allez faire en fait une sorte de jump vers l'arrière. Donc regardez bien, je vais appuyer sur rond, qu'est-ce qui va se passer? Oup, hop, un petit jump vers l'arrière. Là, je saute, j'appuie sur rond et je reste appuyé sur rond. Là, je suis en phase, comme on dit, sprint de malade et je saute beaucoup plus loin. Je vais utiliser cette petite technique pour descendre en bas parce que quand je faisais plateforme par plateforme, ça me faisait péter un câble. Tous les chemins sont bons pour arriver à Rome, pour arriver à la destination, au dernier point de grâce de cette vidéo, mais je vous jure que c'est une galère monstrueuse. Moi, c'est le chemin que j'ai utilisé pour pouvoir y arriver et ça a marché assez rapidement ici sur l'extrait, hein. On a l'impression que c'est hyper facile. Je suis mort, je pense, 15-20 fois au moins, facilement. Je suis bien resté 1 heure ici, en fait, à essayer ces fameuses plateformes. Et puis, à un moment donné, c'est passé. Voici le chemin. Vous le faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Le but est simple. C'est partir d'en haut,
pour arriver ici à cet emplacement et se laisser tomber. Quand vous avez fait cette opération, c'est bon, c'est dans la poche parce que le point de grâce il se trouve juste ici et on va passer à la première cinématique qui franchement est une pure dinguerie de cette vidéo. Donc voilà, l'étape 5, on passe d'un point de grâce à un autre, mais franchement, bonne chance. Pour l'étape numéro 6, attention, là c'est pas une blague, en plus, vous devez être en slip. Vous allez le comprendre pendant la cinématique, je vais vous laisser avec, mais pour passer à la suite de cette opération et débloquer la troisième fin, faut être tout nu, comme ça vous le savez. Je suis de retour pour l'explication du numéro 7, mais c'est assez simple. Quand vous êtes à cet emplacement avec la marque sur votre personnage après la cinématique, vous allez pouvoir faire un voyage rapide à Marika Brisée, qui est l'emplacement où vous débloquez en fait les fins du jeu. C'est pour ça, moi, je vous conseille, quand vous arrivez à Marika Brisée, attention, de pas activer la fin, de faire tout ce run de malade pour aller chercher ce petit trophée, et surtout, on le verra dans une prochaine vidéo, de faire la technique d'avoir deux sauvegardes, c'est important. Donc, très simple, après avoir fait toutes les étapes de la vidéo, vous venez donc ici avec la marque sur vous, et on est parti pour débloquer cette magnifique fin.
Félicitations à tous ceux qui ont obtenu le fameux trophée Seigneur de la Flamme Exalté, parce que honnêtement, je trouve que c'est le plus dur tout simplement de ce Elden Ring. Le reste, ça va, c'est pas trop compliqué, mais là, faut vraiment le savoir, ce run de fou furieux, et puis faire la petite technique des sauvegardes. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV, merci à la communauté, et bon jeu.